La vie est belle. Hein. Monsieur Bulcaire, we're live. Happy Earth Day. Welcome to this event that's being broadcast through Facebook and other means around the planet. This is the 50th anniversary of Earth Day, and it's like no other before it for reasons that we all understand. In many countries, most of us are confined to our homes, but it's also giving us a chance to reflect and look at what's important, what's not. Think about the priorities, and indeed enjoy an environment that for once is a lot cleaner than it has been in recent years. It's also going to mean a lot of changes. There's going to be a lot of social and economic upheaval after the health crisis is over. That's why it's more important than ever to concentrate on what the next 50 years are going to be like for the planet. Bienvenue. C'est un événement pour fêter les 50 ans du jour de la Terre. C'est unique parce qu'on est contraint de faire la plupart de nos activités de la maison. On sera avec vous au cours des prochaines minutes pour discuter de ce que cela peut représenter. Mais je tiens tout simplement à vous remercier de vous être joints à nous ce soir pour un soir sur Terre, ce jour de la Terre. Merci, Thomas. Thank you, Thomas. We're almost at the conclusion of Earth Day. And before dinner, we'd like to have a short conversation about how, as individuals or as citizens confined at home, soon to end, hopefully, we can live out the Earth Day message every day of the year and how our neighborhoods can bring out to life, too. We'll have a truly Canadian conversation where English and Français will coexist. After the conversation, we'll conclude this great day with inspiring performances by different Canadian artists who've sent us their materials for us to enjoy. Donc, on vous propose un 5 à 7 informel de fin du jour de la Terre, juste avant le souper. C'est une courte conversation qu'on veut avoir sur les gestes qu'on peut poser au quotidien, à la maison ou dans notre communauté, en temps de confinement et bientôt en temps de déconfinement. Nous conclurons par des prestations artistiques inspirées par le jour de la Terre. Donc, on vous propose une expérience bilingue, truly English et en français. Joining me in the conversation today, we have Mr. Thomas Mulcaire, Chair of the Board and Spokesperson for Earth Day Canada. We have Edith Cochrane, actrice et porte-parole du jour de la Terre Canada. Valérie Plante, mairesse de Montréal et porte-parole de la campagne municipale du jour de la Terre. L'honorable Stephen Guilbeault, ministre fédéral du patrimoine, Minister of Canadian Heritage in the federal government. We also have joining us from Toronto, Jennifer McKelvey, Toronto City Councillor for Ward 25, Scarborough Rouge Park, and Mayor Tory's champion for environment and resilience. And finally, joining us, Pierre Lucier, Executive Director of Earth Day Canada, le directeur général du jour de la Terre. Donc, on va vous faire un panel, on ne va pas vous... vous retenir plus d'une heure. On veut y aller ça short and sweet. Et ce qu'on veut partager avec vous, puis ce qu'on a demandé à nos panélistes de présenter, donc on vous présente ça live ce soir, donc ce soir, un soir sur Terre avec Jour de la Terre. Pour nos panélistes, pour vous, après ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui et dans les derniers jours, quel est le sens du 50e anniversaire du Jour de la Terre en période de confinement?
From what you've seen and heard today, and more recently, what is your vision of Earth Day 50th anniversary in these times of confinement? We're almost 250 auditors on our Facebook Live, so I would like, let's start with our spokesperson, Mr. Mulcair. What does Earth Day's 50th anniversary mean to you? Earth Day began 50 years ago after a devastating oil spill near Santa Barbara, California. At about the same time, there was even a river in Ohio that had caught fire, the Cuyahoga. Across the US and around the world, people were starting to take stock of the effects on human life, on ecosystems, of what we had been doing to ourselves, using the air, the soil, and the water as an unlimited dumping ground for free. We knew things had to change, and frankly, governments started to realize that the public was demanding that, because the first Earth Day brought out millions and millions of Americans who were calling out for change. So the environmental movement had started in the early 60s with the publication of Silent Spring, the seminal work by Rachel Carson about what we were doing to ourselves and the environment with pesticides, notably. And the movement began in earnest 50 years ago. Now, this is a unique Earth Day. We are, many of us, confined. But we're also able to carry out a certain number of things in preparation for when that confinement will lift. But what I hope doesn't lift is what I'm sensing is a strong desire to see things done differently. Or as one writer put it, Mother Nature has sent us to our rooms to think about what we've been getting wrong. I think that there's a lot of wisdom in that line. I do think that things will change for the better. There is, across the planet, a movement now where people are taking full realization, they're becoming conscious of what we have been doing, and they are also benefiting and really liking what they're seeing in the clear skies. Maybe people will realize they don't have to commute and drive as much. Maybe employers will take a different tack. There will be a lot to fix as we come out of this, but maybe there will be some good things that will come of it. And if we concentrate on where we want to be 50 years from now and make the right decisions, future generations will thank us. Thank you, Thomas. Et pour vous, Madame Cochrane, qu'est-ce qui est pour vous le 50e anniversaire du jour de la Terre en période de confinement? On va ouvrir le micro. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonjour de la Terre. Je suis très d'accord avec ce que dit Monsieur Mulcair. C'est dans un contexte de science-fiction que je trouve que le jour de la Terre prend un aspect très concret. On constate que face à un ennemi commun, on devient tout à coup très solidaire, très fort, plein d'espoir. C'est un ennemi qu'on connaissait, une espèce de virus qui nous apparaissait très loin et très abstrait. Maintenant, c'est très, très, très concret. Je ne peux pas faire autrement que de faire le parallèle avec la crise climatique. On sait qu'elle existe. Certains ont même encore le culot d'en douter. Bientôt, demain, ce sera très, très, très concret et ce sera la prochaine bataille. Je souhaite que nous serons aussi solidaires, aussi dans l'espoir, mais aussi capables, comme on le fait aujourd'hui, de changer de façon drastique nos habitudes. On voit qu'on est capable de le faire. On voit que du jour au lendemain, on est capable de changer nos habitudes. On ne pensait pas qu'on était capable. Il y a deux mois, on nous aurait dit « Hey, vous serez confinés, vous allez devoir être à 2 mètres, porter des masques, on aurait ri. » Aujourd'hui, on le fait. Je souhaite que ce soit la même chose pour les changements qu'on va apporter dans nos habitudes de vie, qu'on pense cristalliser, mais qui en fait peuvent changer. Donc, j'ai l'impression que ce 50e jour de la Terre fait en sorte que, oui, on est dans nos chambres en punition, je reprends l'expression, pour réfléchir, mais aussi pour agir. Je pense qu'on n'a jamais été aussi tout seul ensemble en ce moment, dans une crise sanitaire. Faisons la même chose pour la crise climatique. Merci. Oui, tout à fait. Seul ensemble.
Et bien assis sur la terre du côté de Montréal. Je serais curieux d'entendre ce que vous nous avez à nous partager, Madame Plante, de cette vision que vous entretenez, de votre vision personnelle du 50e jour de la Terre en confinement. Bien, merci tout d'abord pour l'invitation. Très heureuse d'être parmi vous. Tout d'abord, j'adhère à tout ce qui vient d'être dit et merci Thomas de nous avoir rappelé l'origine de la création de la Journée de la Terre. À titre de mairesse en exercice, je vous dirais que la Journée de la Terre cette année, elle prend tout son sens parce que déjà on regarde devant, on regarde à quoi va ressembler notre vie dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années. Et pour moi, il y a une occasion qu'il faut saisir et qu'il ne faut pas rater, et c'est celle de faire les choses autrement. Pour moi, ces temps-ci, on parle beaucoup de relance économique et j'aime rappeler qu'il faut faire une relance économique à tous les paliers. Elle doit être inclusive. Et quand on parle d'une relance économique inclusive, ça veut dire de prendre en considération toutes les notions de justice sociale, de ne laisser personne derrière, et c'est la transition écologique. Je ne nous pardonnerai pas, je pense, si collectivement, ici, au Québec, au Canada et partout à travers le monde, on refaisait les choses comme avant. On a, malgré la difficulté, la période très difficile que l'on traverse collectivement, on a une opportunité en or. Et j'espère que tout le monde va la saisir. Et moi, je regarde avec un certain optimisme, mais j'espère aussi que la population sera là pour demander que les choses soient faites différemment. La crise qu'on a traversée dans les années 80 était une certaine crise et la façon dont on a relancé l'économie s'est faite dans ce contexte-là. Cette fois-ci, on doit prendre en considération le contexte de la lutte au changement climatique dans toutes les décisions qui vont être prises en lien avec la relance et notre façon d'évoluer ensemble comme société. Merci. Merci, Madame Plante. I'd be curious to hear from Mr. Guilbeault. What is your vision of this very special Earth Day? Thank you, Dario, and thank you, Tom, for convening, and thank you to the Earth Group for convening this wonderful event. I think 50th anniversary of the Earth Day is the time to take stock of what Earth Day has meant for so many of us. People have to realize that Environment Canada, our Ministry of the Environment federally, was created a year after the first Earth Day celebrations in the US and parts of Canada and elsewhere around the world. The Ministry of the Environment in Quebec was created in 1979, so 9 years after. Many of the laws and regulations that have given us cleaner air, cleaner water, were created following this important international movement. We have less smog, we've been able to largely fight acid rain, the ozone hole is doing better, so we were together collectively on a world scale, we were able to fight ozone depletion. So there's a lot of things that we have achieved together in those last 50 years. There is obviously a lot more that needs to be done. As the Prime Minister has said just last Friday, we are in the midst of an important crisis, but that shouldn't mean that we need to forget about the other very important crisis that the world faces, which is the crisis of climate change, and the recovery out of the current crisis will absolutely need to be an opportunity, a unique opportunity to try and send us on our way, but maybe by doing things, a number of things differently. Thank you, Stephen. I'd be curious also to hear from you, Jennifer McKelvey. What is your take on Earth Day 50th anniversary? Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour célébrer l'anniversaire du Jour de la Terre. Happy 50th anniversary, Earth Day. It seems like decades ago, that I participated in the first flag raising of the Earth Day flag at the Scarborough Civic Center. And ever since then, to me, Earth Day has been a day that's been spent outside planting trees, cleaning up the community.
And the kids in my house know that it's an event that's important to me, and they participate as well. And I will say that the more miserable the weather, the more memorable the Earth Day. And so it's different to be inside today on Earth Day. But I'd like to thank Thomas and Pierre for putting on today's event and making sure that we can celebrate Earth Day together virtually, even though we can't be outside. To me, something that we've been talking about today that stands out is about where we go from here, and how does action on climate change look like in the face of COVID-19? And this morning we had a roundtable with 10 business leaders, and what shone through is that everybody is as committed as ever to building the green economy and to combating climate change. And then later this afternoon, with Thomas, I was on an exceptional panel that continued that conversation about what are those opportunities. And I think we're all behaving differently. And we've seen reports coming out from Mark Cadot at the University of Toronto Scarborough that have shown that we've had a 40% reduction in air pollution in countries that took action in February. And that data is now in. And now, while we don't have that available data for here for North America, we do know that we're working from home and we're not commuting. We know that we're going to the grocery store once a week. We're looking at food differently, and we're making sure that none goes to waste. And we have to think about how those behaviors might continue. And for example, while we may not be commuting, we might be more likely to invest in our homes instead of investing in our cars. So today was the start of an important conversation. Thanks. Thank you very much, Jennifer. Et dernier, mais non le moindre, dans ce qu'on voudrait avoir sur votre vision du 50e jour de la Terre, Pierre Lussier, directeur général de l'organisation. Pierre, comment ça fait quelques années que vous en vivez des jours de la Terre à titre de directeur général. Comment vous voyez ça cette année? Oui, mais c'est la perspective justement que je voulais partager, la perspective de l'organisateur. Donc, le 50e anniversaire, c'était beaucoup sur il faut que ça soit marquant, que ça soit relevant pour notre organisation, qu'on ait un sens aussi fort que celui du premier jour de la Terre ou du 20e anniversaire du jour de la Terre. On a parlé du premier, mais l'internationalisation du mouvement va se faire en 1990, il va y avoir 2 millions. T'sais, on se rappelle les grands rassemblements du jour de la Terre, mais ils sont en 1990. Il y a un film sur YouTube que vous pouvez voir. E.T. fait partie, donc médiatiquement, il y a une énorme présence du Jour de la Terre en 1990, une présence de milliers d'artistes, dont E.T. Et donc, on essaye toujours de se dire, à 50 ans, on va faire quelque chose de significatif, mais là, on se rend compte qu'il y a eu quelque chose de significatif, notamment à cause qu'on est en pandémie. Donc, les choses arrivent toujours de la manière dont on n'y pense pas. Puis moi, bien, ce jour de la Terre-là, il est vraiment comme un sens d'arriver, d'être au bout du monde. Donc, tout le monde est à regarder, là, puis là, on est arrivé un peu à la fin de tout ça. Je pense que là, c'est le temps on se retourne de côté, là, parce qu'on est allé trop loin, puis on revient, puis on vient vers quelque chose de plus équilibré. Et c'est un peu mon sens de ce jour de la Terre 2020. Merci. Merci, Pierre. On est un peu plus de 300 en ligne présentement. Merci d'être là. Thank you for connecting on our Facebook Live. We're approximately a little bit more than 300. So thank you for being here. If you want to send us love, we're more than open to receive it. But of course, you might have comments, questions. Feel free to leave them on the feed, and we'll try to get back to you as soon as possible. So that brings me to the other part of our panel, our next question and our concluding one. That's a very short panel. What do you wish for Earth Day 2021? Looking back at, so we'll be, you know, we'll probably not be in a Zoom next year, but what would be that wish for 2021? On se rejoint en 2021, fast forward. Que souhaitez-vous pour le jour de la Terre 2021? Qu'aimeriez-vous voir arriver? So I'd be very curious to hear from Miss Plante. What would you like to see on Earth Day 2021 that has already arrived?
Well, I feel like I've already shared all my ideas previously in French, but almost. But well, first of all, I think I'm definitely hoping that we can be face to face, because I think that we've all discovered the importance and the beauty and the value of being together. It definitely, you know, it's always good through conferences like this, but yeah, it's not exactly like being all together to share the energy that is needed to continue in our work. That being said, from my perspective as the mayor of the metropolis of the province of Quebec, I'm hoping that in the next year I can use this opportunity, I would say, to make some changes within how we're using public space in Montreal, because even though we want to keep our distance, whatever, the masks become something that is relevant to wear all the time. Living in a big city where there's such a big density is going to bring challenges, but I also see it as opportunities. And so how we share the public space, how also we will be sharing some of the how we will commute is also another way. I'm thinking about public transport. I'm thinking about active transport, or maybe we're going to bike more, we're going to walk more. So there's opportunities there that I'm definitely hoping to grab, and to I want to make sure that all these new opportunities are part of the economic what's relance? Recovery, thank you, the recovery plan. So I want to bring it all together so we can I feel like it's a great time to show how a city can look like when we change our habits, when we are willing to see the city and public space differently. More to come. More to come. We'll definitely be there together, Ms. Plante. Thank you very much. Monsieur Guilbeault, je serais curieux de vous entendre. Qu'est-ce que vous souhaitez? On regardera en arrière là, en avril 2021. Et qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir arriver au cours des prochains mois? Je pense que la prochaine année va être une année très importante au Canada, mais à l'échelle planétaire. On parle beaucoup de relance, et bien évidemment, on est encore dans la crise, et la plupart de nos efforts au niveau fédéral sont toujours dirigés vers le fait d'aider la population canadienne, d'aider nos organisations artistiques, culturelles, sportives, nos entreprises à passer à travers cette crise-là. Mais il y aura une après-crise, évidemment. Il y aura une relance de l'économie. Et je pense que nous avons la responsabilité, le devoir de faire les choses différemment. Je vous donne un exemple. Dans le cadre de la crise actuellement, il y avait énormément de pression sur le gouvernement fédéral de toutes sortes, de part et d'autre, pour que le fédéral mette en place un plan de sortie de crise, un peu comme celui qu'avait connu le secteur de l'automobile dans les années 2008-2009, après la crise financière, mais pour le secteur du pétrole. Alors, ce n'est pas la décision que notre gouvernement a prise. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place un plan qui était très responsable d'un point de vue fiscal, qui aidait les travailleurs, les gens dans le secteur du pétrole, et qui, en plus, nous permettait de nous attaquer à un certain nombre de problèmes environnementaux, notamment celui des puits orphelins, donc des puits de pétrole qui ont été abandonnés. Il y en a plus de 3000 en Alberta. Mais aussi d'aider les entreprises à être plus efficaces d'un point de vue énergétique, et donc de réduire leur pollution, notamment la pollution de méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Et pour moi, le plan de relance du Canada doit passer par ce type de réflexion-là. Alors, comment est-ce qu'on peut être à la fois responsable d'un point de vue fiscal, responsable d'un point de vue social, parce qu'il y a plus de 8 millions de personnes qui ont demandé la prestation d'urgence du Canada. Et donc, au sortir de cette crise-là, il y a des gens qui vont retrouver leur emploi, mais il y a beaucoup de gens qui ne retrouveront pas leur emploi tout de suite. Pas au même niveau où il était auparavant. Alors, nous avons une responsabilité de faire preuve d'un souci social au niveau de la relance et bien évidemment, d'un point de vue environnemental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut certainement dire de repenser notre système de production alimentaire et penser beaucoup plus à l'alimentation en termes de sécurité alimentaire. Ça veut dire de repenser nos chaînes d'approvisionnement par rapport à certains secteurs clés. Ça veut dire des milieux de vie plus intéressant et plus plaisant d'un point de vue à la fois social mais environnemental aussi, des infrastructures plus vertes et plus résilientes
à la fois aux impacts des changements climatiques, mais des infrastructures qui vont nous permettre de nous attaquer à des grandes problématiques environnementales comme celle des changements climatiques, des bonds de géants en électrification, des transports et bien évidemment pour le transport collectif et les transports actifs. Et je pense que c'est une opportunité, malgré la tragédie que nous vivons, il y aura une après-crise et nous avons la responsabilité de bien faire les choses pour ceux et celles qui vont venir après nous. Manifestement, vous nous tracez un portrait où ça ne sera pas que le ministre Wilkinson qui sera mobilisé. Si on veut voir advenir tout ce dont vous nous parlez, c'est tout un programme. Et merci beaucoup de l'avoir partagé, Mr. Mulcair. What do you think will be looking back at 2020 when we'll look from April 22nd to 2021? I found some of my greatest hope on some of the people who have just spoken. To have a senior, respected environmentalist in the federal government, like Stephen Guilbeault, gives me hope. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est en train de réaliser des prodiges en termes de réduction des gaz à effet de serre dans notre métropole du Québec, Montréal. Et elle mérite pleinement nos félicitations pour sa vision qui a conduit à cette réalisation si importante pour les générations futures. Jennifer McKelvey, who had a sterling academic background, he was a doctorate in these fields on environment and climate change. She masters the subject so well that John Tory, the mayor of Toronto, has made her his ambassador on these important issues. That's my greatest hope for 2021. That we'll have taken some of this talent and realized that the pushback that will be inevitable, because there will be a strong economic downturn. A lot of people will be left out. And we've got to make sure that we concentrate on them first and foremost. A lot of families will have lost loved ones. That's also going to be something that will be part of the backdrop. But as we look forward, we've got to avoid the call from some players like the Canadian Association of Petroleum Producers who are already out there lobbying to remove environmental guarantees and regulations that are there to protect the environment and ultimately to protect the public and public health. So if we learn from 2008, the last great crisis, when there was a sudden drop in greenhouse gases, but it only came back even stronger after, we can learn that we've got to start achieving the results now. The public is on side more than ever. We have senior leadership like the mayor of Montreal, like Minister Guilbeault, like Mrs. McKelvey, leading on these issues and believing them and knowing them to be important for the future. That's my greatest hope, and that's where I hope we'll be for the 51st Earth Day in 2021. I hope it will be heard. Madame Cochrane, je serais curieux pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir réaliser d'ici 2021, le prochain jour de la Terre, qu'on va fêter ensemble? Ben, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je vais plus loin. Je visualise que ce sera tellement un point de bascule, là, le 50e anniversaire du jour de la Terre, qu'en 2021, on va se rappeler de l'ancien temps qui était 2019-2020, comme on se rappelle de « Hey, mon Dieu, on fumait dans les hôpitaux avant, ben voyons donc! » Ben, qu'en 2021, on se dira « Ben voyons donc, le gouvernement investissait encore dans le pétrole, ben où est-ce qu'on était? Ah ben on mangeait encore de la viande en 2020, ben voyons donc, on cultivait pas nos légumes. Je souhaite que nos actions soient tellement déterminantes puis qu'on sorte de ce confinement tellement chargé à bloc qu'on fasse un pas de géant, comme on aurait dû faire depuis les 10 dernières années, ben là qu'on rattrape le temps perdu puis qu'on parle de cet ancien temps 2020 là, qui bientôt sera désuet et derrière nous. Wow. Donc, être de l'ancien temps comme si on était dans les belles histoires des pays d'en haut. Miss McKelvey, what do you think 2020 will be made of when we'll be looking back from April 22nd, 2021? Well, firstly, I want to thank Thomas for his kind words and participating on that panel with me earlier. He certainly put no pressure on any of us on the panel here to advance initiatives in this year. For me, I'm very hopeful that we can keep the momentum going. Toronto declared a climate change emergency and joined over 800 municipalities from 16 countries, including Montreal, in declaring that we want to be net zero by 2050.
And for me, I'm looking forward to, in the city of Toronto, riding our new green electric buses as those come online, riding our microtransit pilot that we have launching in the fall, and also opening our net zero building. We're going to have an 18,000 square foot net zero childcare center. And it's the first building that the city of Toronto has built that will be net zero. So the other thing I'm looking forward to, though, is I had anticipated today being very different. We were wanting to launch Toronto's involvement in Women for Climate. Mm-hmm. And I just want to give a big shout out to the Mayor of Montreal, Valerie Plante, because she has been an exceptional champion of this program. Internationally, we have 13 cities that have joined on together, forming a network of 500 women that are working on bold action on both climate adaptation and mitigation aspects of the climate change problem. And so I'm so hopeful that over this year, we'll be able to get back out and be together so we can launch that networking event. So please do watch for Toronto's involvement. And thank you so much to Valerie for leading that in Canada. Thank you, Ms. McKelvie. Pierre, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là, dans... Je ne demanderai pas ce qui va occuper chaque jour de votre agenda jusqu'au 21 avril 2021. Mais le 22 avril 2021, on va avoir fait quoi? Qu'est-ce qui est dans vos souhaits les plus chers? Mais donc, tu sais, on parle maintenant on voit beaucoup d'intervenants municipaux, hein, mais il faut se rappeler que la thématique du jour de la Terre, c'est donc la transition écologique au sein des villes. Et c'est pas un hasard. Moi, je pense que beaucoup va tourner, cette relance-là va beaucoup tourner à l'entour des gouvernements locaux. C'est là que les décisions se prennent. J'étais à Rosemont, donc j'habite à Rosemont, je parle à François Croteau. François Croteau, il y a des ambitions incroyables sur la transition écologique dans l'arrondissement, sur le 500 mètres, comment tout peut se faire à l'entour de 500 mètres. On regarde au Québec le panier bleu avec donc une prise de conscience sur le local. Ce qui m'amène, donc, moi, je pense que de ça, il y a de ça qu'on peut extrapoler vers le jour de la Terre. Le transport, l'électrification des transports, Steven en parlait. Mais il faut rajouter, c'est l'électrification des transports, mais avec de l'énergie renouvelable. Au Québec, on y pense, mais quand on s'occupe du jour de la Terre Canada, comme moi maintenant, là, il y a une réalité. Il y a une grande place à prendre sur l'énergie renouvelable à travers le Canada. Puis je pense que ça, c'est vraiment une opportunité qu'on va prendre pour le jour de la Terre 2021. Merci. Merci beaucoup, Pierre. So that would conclude our short panel on Earth Day and Confinement, Un soir sur Terre. I would like to thank very much Mr. Thomas Mulcair, Chair of the Board, Edith Cochran, merci beaucoup, actrice et porte-parole du Jour de la Terre, Madame Valérie Plante, qui a dû nous quitter, elle avait un engagement qui l'a fait quitter à 17h31. And worry not, Ms. McKelvie, we will transmit your warm words to Valérie afterwards. Merci beaucoup à l'honorable Stephen Guilbeault. Thank you, Jennifer McKelvie, for your participation. Merci beaucoup, Pierre Lucier, de nous avoir tous invités à ce panel. Merci infiniment. Donc, c'est la partie du panel qui conclut. Je vous accompagnerai, Dario, toujours avec vous pour le jour de la Terre. C'est maintenant l'heure de la partie artistique. It's time for some moving performances. So, my guest on the panel, you're warmly invited to stay, but your face will not be showing on the Facebook Live enjoying the great performances we have for tonight. So without further ado, pour commencer, place à la poésie. La poésie, c'est on a un poème tout spécial. C'est un texte inédit. Lorsqu'on a contacté Robert Charlebois, grand auteur, compositeur, interprète québécois, qui nous enchante par ses compositions depuis maintenant plus de 5 décennies, Robert Charlebois a envoyé un poème, Jour de la Terre, un poème qu'il a composé dans les derniers jours, un très beau poème, un poème qu'il a humblement demandé qui nous a confié la mission de trouver un porte-voix, un interprète, et c'est Emmanuel Bilodeau. Emmanuel Bilodeau qui nous a transmis son émouvant enregistrement. Donc, on écoute ça ensemble.
Bonjour de la Terre, tout le monde. Moi, j'ai la mission de vous lire un texte écrit par Robert Charlebois. C'est pas rien. Je ne chanterai pas par ça. Un silence d'avril sur Mars me revient du fond de l'espace, après tant d'années de bruit et de fureur. Il me suggère de planter des arbres fruitiers, pommiers, cerisiers. Il me dit que la plus petite poire sera toujours meilleure qu'un grand espoir pour celui qui a faim. Tomates et maïs dans mes plates-bandes entre les fleurs, jardin du bon vieux temps dans ma cour, ça pourra toujours servir à l'automne. Des canards m'ont suivi avant-hier sur l'asphalte et m'ont donné le goût d'avoir des poules. Une douzaine de jeunes chevreuils traversent le lac sur la glace mince devant chez moi, larmes à l'œil, envie de me taire. Robert Charlebois. Voilà. Wow. Merci, M. Bilodeau. Merci, M. Charlebois. L'envie de planter, ça a commencé ce matin, hein, d'ailleurs, dans notre événement Facebook Live du matin. Maintenant, on continue la chanson. C'est le quatuor Zen Bambou, groupe. Un dernier opus. Il nous offre un enregistrement spécial du morceau Chimpanzé, qui est dans les dernières chansons de leur album Glu. C'est une chanson composée avec la cause environnementale qui leur tient à cœur. Donc, on va écouter Zen Bambou. Salut, ici Zen Bambou. Tout va bien aller. On vous aime. Prenez soin de vous. Thank you.
Bye-bye. Bye-bye, Zen Bambou. Merci infiniment. C'était chimpanzé. Why don't we hear something in English now? The Montreal-based duet Heart Streets, uniting singer, rapper Gab Gordon and Emma Becco. They left us a note with their song. So that I'm reading their note. Love and respect the earth in any every which way you can. The little things do matter. Hold her tight and make her feel your love. Thank you. And they're offering us an a cappella version of their song Double from their last album, Heart Streets. All I want is one double vodka on ice. With a twist on top and a crystal glass, yeah, that'd be nice if you held me tight and told me every little thing's gonna be alright. Alright then, I guess I'ma be alright then. All I want is one double vodka on ice. With a twist on top and a crystal glass, yeah, that'd be nice if you held me tight and told me every little thing's gonna be alright. Alright then, I guess I'ma be alright then. Short and sweet and moving, Heart Streets, the Montreal-based duet with their last album, Double, the song Double. Thank you very much. Pour un soir sur terre, on continue, c'est la chanteuse et violoncelliste Joran qui va nous interpréter un grand classique de la culture canadienne, du grand poète canadien Leonard Cohen, who had his Suzanne poem adapted in French by the poet, the Quebecer poet, Gilbert Langevin. Donc, on va avoir Joran dans une adaptation poétique par Gilbert Langevin de la chanson Suzanne de notre grand Leonard Cohen. On l'écoute. Bonjour tout le monde, ici Joran. Pour le jour de la Terre, j'ai décidé de vous interpréter Suzanne de Leonard Cohen, mais une traduction faite par notre poète Gilbert Langevin. C'est la traduction qui avait été faite pour Pauline Julien. La poésie me parle énormément dans cette pièce et je pense que le laisser aller au nom de la passion, au nom de l'amour, au nom de la vie correspond à cette journée. Chez elle, à sa demeure au bord de l'eau, là où l'on entend les grands bateaux. Tu passes toute la nuit près d'elle, tu la crois aussi folle que belle. C'est pour ça que tu restes avec elle, buvant du thé, mangeant des oranges qui viennent de la Chine. Et quand tu veux lui dire qu'avec le temps les cœurs changent, elle semble ne pas comprendre, il laisse le fleuve te répondre, tu seras toujours son amant, tu voudrais.
De la Terre. Bye. Wow, merci. Merci, Joran. We will groove a little bit more for the next song, but still, you know, palatable to our ears. I'm from Vaughan, Ontario, alt rock group stuck on planet Earth. Prepared a very special acoustic arrangement of their song Rising, specially dedicated while respecting social distancing. So let's listen what they came up with for Earth Day Canada. So stuck on planet Earth. Hey, this is Al from the band Stuck on Planet Earth. We just want to wish everybody a happy Earth Day. We all share this planet together and we can each make a difference, whether it's big or little. This is our isolation, stuck inside acoustic version of our song called Rising, and it's about overcoming struggle and persevering. We hope you guys like it. Oh,
definitely, you know, not only the song itself, but I think the video in confinement will get the Juno Special Award for Earth Day Best Video. Incredible clipping here. Thanks, Stuck on the Planet, for rising. Very interesting arrangement. Thank you very much for your acoustic version. We're almost at the conclusion. There's going to be a special last piece. Pour conclure notre soir sur Terre, c'est la comédienne Sophie Fauché qui va nous partager un extrait d'un livre tout spécial, La Terre vue du cœur. La Terre vue du cœur, c'est un livre qui a été écrit par l'astrophysicien et écologiste Hubert Reeves, avec également la plume de Yolande Cadrin-Rossignol, une réalisatrice, productrice, scénariste et également écologiste depuis très longtemps, depuis son tout premier court-métrage en 1973 avec Pierre Dansereau. Donc, on va écouter Sophie Fauché qui va nous lire un extrait de La Terre vue du cœur, à un soir sur Terre. Pour cette journée de la Terre, j'aimerais partager avec vous un extrait de ce très beau livre, La Terre vue du cœur, de Hubert Reeves et Yolande Cadrin-Rossignol. En fait, ce sont les propos tenus par Robin Well Kimmerer. Elle est botaniste, professeure émérite de l'Université de Syracuse. Elle est autochtone et elle nous parle des arbres. Depuis toujours, les savoirs du monde autochtone ont été marginalisés, car ils étaient considérés comme non scientifiques. Dans notre culture, tous les êtres vivants, aussi bien les humains que les bouleaux, les érables ou les salamandres, sont à la fois porteurs d'un don et d'une responsabilité. Quand un être partage son don avec nous, il est de notre responsabilité de partager ce don avec les autres. C'est la loi de la gratitude et de la réciprocité. Le monde occidental considère les arbres comme des ressources naturelles, des atouts écosystémiques, des biens meubles ou de simples objets, alors que pour les autochtones, ce sont des personnes non humaines qui ont leur propre don, leur propre intelligence, leur propre pouvoir. Nous parlons donc des arbres comme des personnes debout. Nous les reconnaissons d'ailleurs comme des membres de notre famille. Ce sont des êtres qui ne bougent pas. Ils ne sont pas pressés de courir partout. Lorsque vous ne pouvez pas bouger, vous devez nouer des relations durables et donc, ces arbres nous enseignent de façon magistrale ce que signifie vraiment l'expression « être chez soi ». Il y a plus que du bois d'œuvre dans une forêt. On y trouve quantité de ressources. On y cueille une grande variété de médicaments et d'aliments. On y trouve des matériaux pour se loger, bien sûr, mais d'autres qui gardent au chaud. Certains autres pour faire des bateaux. Pour moi, les Adirondacks sont ma demeure dans le sens où notre maison est un lieu qui nous connaît et que l'on connaît. Je crois que ce lieu est la maison de mon cœur, un endroit qui prend soin de nous et dont il faut prendre soin. Oui, prendre soin, c'est ce à quoi on vous invite. On vous invite tous les jours, parce qu'effectivement, le jour de la Terre, c'est tous les jours que ça se passe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez été jusqu'à 320. On est encore 250. Je m'appelle Dario Iezzoni. Je suis un fier membre de l'équipe de Jour de la Terre. Merci beaucoup aux artistes de nous avoir prêté leur voix, de nous avoir prêté leur talent, de nous avoir fait vibrer avec leurs émotions. C'est absolument extraordinaire. Merci à l'équipe de Jour de la Terre. A warm thanks for the artist, for all the love shared and shown to our planet Earth. Special thanks to you listeners. You were there. You were there for the most part. We're almost at 300 and we peaked at 310. We're still 250. Thank you very much, because you and all your neighbors, we can make a difference, because Earth Day is indeed every day. So thanks very much, and see you on the street or next year. Take good care.